Sarah, son palmarès, c'est plus de 130 combats depuis 15 ans effectués, ce qui est énorme. Derrière, c'est 7 titres de championne de France, 3 titres de championne de l'Union européenne, une médaille de bronze au championnat d'Europe en 2007, un titre de championne du monde en 2008 en Chine. C'est un titre de vice-championne d'Europe au Danemark il y a quelques mois. Bon, alors, stop, allez, encore plus vite, allez, encore, allez, 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 stop. J'ai rencontré Saïd en 97. Je cherchais un club de taekwondo et donc je suis venue me renseigner dans cette salle et il m'a proposé de faire un petit cours d'essai en boxe éducative. Donc voilà, c'est un peu le début de l'histoire. Je le considère vraiment comme mon père. Enfin, il fait partie de ma famille. Si tu craques mentalement, si tu aurais craqué depuis ce matin? T'aurais pas enfilé les gants, tu vois ce que je veux dire? T'aurais pas enfilé les gants. C'est la fatigue, elle a pris de dessus, d'accord. Mais il y a cette marge encore, faut aller la chercher, Sarah, on la grappille. Voilà, on va la chercher, on la grappille jusqu'à ce que tu l'atteignes. 2002, c'est pas que Sarah, c'est l'entrée des femmes aux Jeux Olympiques. Et Sarah, c'est la cerise sur le gâteau. C'est l'aboutissement de 15 ans de travail. Aujourd'hui, on parle de femmes qui ont un boulot, qui ont un métier, qui ont des projets d'avenir et qui surtout se revendiquent boxeuses et qui sont fières de l'être et qui disent, nous, on est boxeuses, on veut faire médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et c'est aussi la place de la femme dans notre société. 8, 5, 6, 7, 1, 2, 3, allez, encore. 1, 2, time. C'est très bien, si on fait un point par route, c'est suffisant. Rien que j'y pense, matin, midi, soir, je mange championnat du monde, je dors championnat du monde et le dessert c'est la qualif. Qualif, un bon gâteau plein de crème et je suis là.